Bien. Alors, le point. Voilà. Alors, on a vu la semaine dernière l'explication du Midrash, l'explication percutante du Midrash. Vayosha, Vayomahu, Hachem, et Israël, Miyad Mitzrayim. Le passouk qu'on dit dans la Shirat Hayam, tous les matins, que Dieu a sauvé Israël de la main de l'Égypte ce jour-là. Alors, le Midrash rapporté par le Maharal, dans Yalkut Shimoni, fait une lecture incroyable, franchement. Moi, je le trouve incroyable. Il dit que, parce qu'on voit bien que Dieu a sauvé Israël, pas besoin de dire. Ça veut dire, voilà, quelqu'un, il a sa maison, elle est en flammes, le toit lui tombe dessus, et Dieu le sort de là, il s'écrit, Dieu l'a sauvé de la fournaise. Tu le vois bien, c'est une redondance. Alors il faut dire, Yosha Hashem, Miyad Mitzrayim, de la main d'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte, le Tsar, l'ange tutélaire de l'Égypte avait une accusation en disant, mais sire, roi des rois, vous disâtes dans l'alliance entre les morceaux, le Brit Ben Abtarim, que la descendance d'Abraham sera exilée 400 ans. Or, ils n'ont été que 210 ans. Donc, ça ne va pas. J'ai des réclamations. Alors, le Midrash dit oui, mais guerrier Zarara, ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la leur. C'est pas écrit que ta descendance, c'est pas écrit que ta descendance sera étrangère en Égypte. Elle sera étrangère dans une terre qui n'est pas la leur 400 ans, parce que dès la naissance de la descendance d'Abraham, eh ben, il est étranger. D'ailleurs, il chantait Stranger in the Night. Il chantait comme ça. Tu connais pas? Pas du tout. Frank Sinatra. Strangers Ta la 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 la. the Attends, il y a deux jeunes qui sont venus ce matin de Sciences Po. Ils ne connaissaient rien du tout. Ils n'avaient rien du tout du Talmud. C'est quoi le Talmud, etc. Je leur ai dit, vous êtes à Sciences Po, vous avez entendu parler de Lévinas. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler de Lévinas. Ils étaient passés en Cagnes avant. Ils étaient passés en Cagnes. Je ne sais pas. Lévinas, c'est pour le plus. Et alors, c'est tout juste, ils croyaient que c'était des chocolats belges. Te permets de la placer. Non, copyright. Te permets. Oui, je vous dis, franchement, il y a quelques mois, parce que à la suite d'une étude d'Antiféret Israël, ça ressortait qu'il fallait lire des passages de Totalité infinie de Lévinas, parce qu'il exprime tellement bien les choses, et je ne l'ai pas chez moi. À côté de chez moi, il y a une très, 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 très belle librairie. Les meilleurs de Paris. J'y vais et je dis, est-ce que vous avez Totalité infinie? Moi, ils ne l'ont pas. Est-ce que je peux vous le commander, etc. Bon, OK. À côté de moi, il y a un mec, un client, qui va commander de Lévinas. C'est pas possible. Il y a encore des gens qui commandent de Lévinas. On est parti, c'était un Américain qui habitait à Paris. Ouais. Et on est parti dans une conversation expliquant comment on pouvait lire encore de Lévinas. C'est intéressant, je sais pas. Il y a des choses intéressantes dans la vie. Bon, je recentre le sujet. Ouais. Je recentre le sujet. Tout ça pour dire Stranger in the Night. Ouais.
que depuis la naissance de Yitzhak, depuis la naissance d'Yitzhak, il était étranger dans un pays. Alors, mais il était étranger, mais ce n'était pas un exil total. Ce n'était pas un exil colossal comme ça sera. Comme ça sera avec l'exil d'Égypte. Alors là-dessus, le Maharal fait un développement, et ça sera tout le sujet du chapitre 47, que s'écrit Vayosha Hashem Bayomahu. Dieu a sauvé ce jour-là de la main d'Égypte, de l'accusation. C'est-à-dire, il n'y avait que Hashem qui pouvait estimer dans la finesse que ne pas être chez lui, que tu peux être étranger dans un pays où finalement tu es né dans ce pays, il est né dans la terre de Canaan, mais il n'était pas, comment dire, citoyen originel de la terre de Canaan. Il n'était pas. T'as les Bourguignons, tu as les tu as les comme dit la chanson, je veux revoir, t'as les Normands qui veulent revoir leur Normandie. Tu as les natifs de Normandie, les Normands de Normandie, tu as les Auvergnats d'Auvergne, tu as les Bourguignons de Bourgogne, tu as les Corses de Corse, ouais. Et tu as Yitzhak qui est né dans un pays, certes. Il a le droit d'être dans ce pays, mais il n'est pas du cru. Mais du coup, c'est lequel son pays? Comment? Et c'est quoi son pays? Il n'a pas de pays. Par contre, Abraham, quand il était en Chaldée, il était chaldéen. Abraham était chaldéen. Abraham, c'est un Kurde en vérité, puisque Narmanide prouve qu'il est de Haran, et Haran, grosso modo, c'est Mossoul. C'est un Kurde. On est des Kurdes à l'origine. Non, non, mais ça paraît drôle, mais c'est pas drôle. C'est comme ça. On est des Kurdes. C'était là-bas, toi, Mossoul. Ouais. Ça ressemble à quoi? Ah oui. Par la guerre? Ouais, la guerre, la guerre. Par la guerre de Daesh? Daesh et les bombardements, et c'est un champ de bataille. Ah oui. C'est terrible, c'est une destruction. Ah oui, d'accord. Mais c'est une ville qui a été beaucoup vidée. Il a vidé de ses habitants, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. D'accord. Bon, alors, mais Abraham, c'est. Voilà, mais Abraham, il était d'un pays, il est parti de ce pays. Mais Yitzhak, il est né de parents immigrés. Donc, dès la naissance, il est un enfant d'immigré. Or, pour Akadosh Baruch Hu, il est né dans un pays qui n'est pas le sien. Donc la Xéra, même si elle n'est pas grandiloquente, mais dans la finesse. Et là-dessus, le Maharal va développer cette notion que il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait estimer les jugements selon sa finesse. Que nous, humains, on est incapables. C'est pour ça, Vayosha Hashem Bayomahu, que même Amalar, l'ange d'Égypte, n'était pas capable de concevoir. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai vu ces derniers temps un commentaire dans le livre que j'étudie un petit peu en ce moment, le Magen Avot du Rabbi de Capoust. Il explique, si je l'ai déjà dit dans une autre séance, vous me dites, vous m'arrêtez, hein, qu'on dit que la tzedaka, ça sauve de la mort. C'est connu. Non? Tzedaka, il y a un passouk dans Michelet qui dit tzedaka, tatsil memavet. La tzedaka, ça sauve de la mort. Alors, bon. Puisque le verset le dit, pourquoi pas? Alors, il explique comme ça le Magen Avot. Il dit que quand l'argent qu'on a,
l'argent qu'on a. Si quelqu'un n'est pas un voleur, n'est pas un magouilleur, mais que cet argent, il l'a gagné. Donc l'argent, quelque part, l'argent, là, enfin, c'est nous. C'est nous. Et donner de la tzedaka, c'est comme si je mourais. Je meurs. D'ailleurs, ça se ressent. On a tous besoin d'argent. On a tous des engagements, on a tous besoin d'argent. Et donner de l'argent, il faut, c'est, ça veut dire, si quelqu'un donne trop facilement de l'argent, tu peux dire, mais d'où il a tiré ce fric? Quelqu'un qui a du mal à donner de l'argent à la tzedaka, eh bien, c'est structurel. C'est que tu ne peux pas donner de l'argent. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Et cet argent, tu en as besoin. Tu l'as gagné, tu en as besoin, ça fait partie de toi. Donc, donner de l'argent, tu meurs. Et d'ailleurs, tu as l'impression de mourir quand tu donnes de l'argent. Que tu donnes 50 euros, 500 euros, 1000 euros, 50 000 euros, c'est même des fois, c'est ridicule. Tu donnes 50 euros à quelqu'un, ça te fait mal. Attends, ça va, 50 euros. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que c'est toi. Donc, quand tu donnes de la tzedaka, tu te tues. Alors, c'est vrai qu'on n'appelle pas la morgue. On n'appelle pas la Chevra Kadisha. Mais tu vis une mort. Tu te tues quelque part. Tu te tues. Donc, si toi, il y avait un décret que juridiquement, d'après la justice céleste, tu devais mourir, eh bien, quand tu donnes de la tzedaka, comme tu meurs à ce moment-là, la justice divine s'applique par le fait que tu t'exécutes en donnant la tzedaka et tu ne meurs pas de fait. C'est-à-dire, quelque part, tu es mort. Ce n'est pas une vision de l'esprit. Ce n'est pas une vision de l'esprit. Dans la finesse, tu meurs. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ce commentaire qui est qui comment dire qui aide à vivre parce que je pense que quelqu'un qui comme tout le monde il a besoin d'argent, il a des engagements, il a des nécessités, des trucs et des machins, il a des projets donc il y a besoin que tu payes quelque chose. Il y a besoin. Il faut, cette personne, elle a besoin. Et donner, c'est mourir. Tu meurs. Donc, alors c'est vrai que tu meurs, tu n'appelles pas les pompes funèbres, mais de fait, tu te tues. Donc, étant donné que tu te tues, le décret de si tu devais mourir s'applique et finalement, tu n'appelles pas les pompes funèbres. Donc, c'est la même dynamique que ce que dit le Maharal ici. Tu voulais dire, Jonathan? Je me demande pourquoi ça ne dépend pas de la somme de. C'est sûr que ce n'est pas la même chose de donner 100 euros quand on gagne, de donner 1000 euros quand on gagne 100 000. Pourquoi ce n'est pas Ben, j'ai la même remarqué, chose? plus quelqu'un est riche, plus il est radin. Et j'ai mon bon ami Raphaël Bloch qui dit, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont riches. Comment? Non, évidemment, c'est pas que la radinerie, évidemment. Obsession par des gens ou pas. Ouais. C'est pas, en fait, c'est plus que le désir de possession. C'est le désir tout court. Le désir. Ouais. T'as vu le cours qu'on a fait là-dessus? Non. C'était le Pas qu'on n'a pas fait ici dans cette séance, thème. mais mercredi dernier, dans l'étude que nous avons faite, Pauline. J'ai noté.
Voilà, c'est le Je vais sujet, c'est le désir d'argent. Ok. Ah, mais je C'est la J'ai vu que vente. c'était une étude de portée générale. Génial. Voilà, ouais, Génial. c'est les séances 20 et 21 qu'on a fait dans Houlin. Donc, c'est l'étude qu'on fait de 13 h à 14 h là, quotidiennement. Et comment dire, nous forcer à rentrer dans. C'était pas hors sujet, c'était complètement dans le sujet de la Gemara. Et on a vraiment développé que c'est quoi le désir d'argent. Voilà, on l'a développé, bon, HaShem, à fond. Ouais, c'était une séance épique et incroyable. Séance extraordinaire. Voilà, en tout cas, reprenons que ici, le sujet traité par le Maharal, c'est la finesse du jugement. Alors, en vérité, je crois que je ne vais pas faire cette hors-piste que j'avais réfléchi à faire, mais je ne vais pas le faire. Il y a trois moments. Il y a Dieu a dit à Brit Ben Aptarim, ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur pendant 400 ans. Et à la sortie d'Égypte, le verset dit, et le temps que les enfants d'Israël étaient en Égypte était de 430 ans. Alors ça, c'est encore plus compliqué. Bon, alors j'ai revu, ça c'est traité dans le chapitre 39. On l'avait vu, hein, c'est le chapitre 39 du Gvurot HaShem. Chapitre Lamed Tet, dans Brit Ben Aptarim. Alors, une seconde, dans Lamed Tet, j'ai regardé tout à l'heure, dans Lamed Tet, il parle de ça. Une seconde. Non, une seconde, une seconde. Non, non, c'est pas la metette, je me trompe. Non, la metrette, la metrette, la metrette. Ah, et pas sous, et chapitre 10, voilà. Chapitre 10, chapitre 10 et chapitre 38. Voilà, chapitre 10 et chapitre 38. Bon, mais on va continuer. Donc là, le Maharal va développer sur la finesse finesse du jugement. Et Emmanuel Vanish avait relevé à raison la semaine dernière que ici on voit que Dieu est medagdek kechut ha'sahara, selon le fil, l'épaisseur d'un cheveu. Il juge selon l'épaisseur. Mais là, c'est dans le sens de la clémence et pas dans le sens de la punition. Alors, le Maharal va développer cela à partir d'une Gemara dans le traité Baba Kama que nous allons voir tout de suite, Daf Noun. On peut prendre Baba Kama, s'il vous plaît. Je vais en chercher en bas. Alors, c'est Daf Noun Amoud Alef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne avant la fin de la page. Tanoura Banane, 11e ligne de Noun Amoud Alef. C'est bon là, les zoomers? Les baby zoomers? Yes. Alors. Tanoura Banane, nos maîtres enseignent. Maase bebito chez Nechunia chofer shichim. Chez Nafla le bor gadol. Une fois c'est arrivé que la fille de Nechunia, celui qui creusait des puits, est tombée dans une grande citerne d'eau. Alors Rashi explique, Chofer Shirim, creuseur de Shirim, c'est des rigoles, les Olé Regalim Badrachim, pour ceux qui montaient aux fêtes de pèlerinage dans les chemins. C'est-à-dire que quand il y avait, c'était à l'époque du Deuxième Temple,
Et les gens, donc ils allaient de tout endroit d'Eretz Israël, ils allaient 3 fois par an, toute la population, à Jérusalem, au temple. Et monsieur Nehunia, lui, sa préoccupation, c'est de faire qu'il y ait de l'eau potable pour les pèlerins. Donc, il faisait des puits, creusait des puits pour qu'ils aient de quoi boire, ceux qui allaient sur les routes à pied à l'époque. Ils allaient à pied de là où ils habitaient pour aller à Jérusalem, des puits pour qu'ils aient de quoi boire. Et il y a la fille de ce monsieur est tombée dans une grande citerne d'eau et allait se noyer. Baou, Veodiou, Ed Rabbi Hanina Bendossa. Ils sont venus aller dire à Rabbi Hanina Bendossa comment la sauver de la noyade. Sha'a Rishona, Ama Laem Shalom. Et à première heure, il a dit, ça va. Shnia, deuxième heure, il leur dit Shalom. Shlishi, troisième heure, Amar Lahem, Alta, troisième heure, il leur a dit, vous ne faites pas de soucis, c'est sûr que votre fille, elle a réussi à sortir de la citerne. Amroula, ils ont dit à cette fille, Mia Alecha, il dit, mais comment tu as réussi à monter de cette grande citerne là où personne n'arrive à monter. Amra lahem, Zachar shel rechalim nizdamen li, vezaken echad manigo. Il y avait un mâle de brebis, donc ça veut dire il y avait un bélier qui s'est présenté avec un vieux monsieur qui conduisait ce bélier. Amroulo, ils ont dit, Rabbi Hana ben Dosa, Navi Ata, il a dit, cher, mais t'es un prophète. Je suis ni prophète, ni fils de prophète. Et là, Karamarti, mais je me suis dit, Davar, chez Otto Tzadik Mitzerbo, Kachelbo Zaro, dit celui que ce Tzadik s'est tellement souffert pour faire des puits, est-ce que sa descendance va chuter dans un puits? C'est sûr que le mérite du papa va sauver sa fille. Donc je me faisais aucun souci. La fille, elle est tombée dans un puits. Personne ne peut sortir. Je me fais aucun souci. Elle est sortie. Amar, alors la suite. C'est pas pour les enfants, hein. Ceux qui ont une âme d'enfant, ils peuvent partir. Amar Rabbi Acha, Afal Piken met Beno Betsama. Malgré tout, le fils de ce monsieur est mort de soif. Chenemar, comme dit le verset, ce vivav Nishara Meod. Ceux qui sont autour de lui, autour de Dieu, sont estimés énormément. Alors, Nishara, si je m'abuse, dans les Théilim, c'est un chine. Et les Chachamim font un jeu de mots. Nishara ne dit pas Nishara, mais Nisara, mais la chose Sara, un jeu de mots. Ce vivav Nishara, ce vivav. Nishara, c'est-à-dire Nishara, donc avec le Shin, c'est où? C'est à droite, c'est à gauche. Shin, c'est à droite. Ouais, voilà. Nishara, et ce fois un jeu de mots, Nishara. Voilà. Un jeu de mots, Nishara. Autour de lui, et très Nishara, Sha'ar, Shiur, ces mesures sont estimées beaucoup. Donc, il y a la justice divine. Plus on est proche de Dieu, plus sa justice. Et Nishara ne dit pas Nishara, mais Nisara.
Ni Sahara, ça c'est un cheveu. Et comme Routassar, regardons Rashi. Alors, Hofer Shirim, celui qui creusait des rigoles pour les Olé Regalim, ceux qui vont à pied aux fêtes de pèlerinage. La première heure, elle a encore la force de nager. Amar lahem shalom, t'allez, la deal, vous ne faites pas de soucis. Et la deuxième heure, vous ne faites pas de soucis. Shishit, davela shaul shetetse nafsha im yeshnasham. La troisième heure, que là, quelqu'un, il ne peut pas nager pendant plus que 2 heures. Là, il s'épuise. Donc là, elle est sortie. Amar lahem, kevaralta vadai, kedamrina, de pshitale de lotamucham. Pour lui, c'était évident qu'elle ne meurt pas. Zachar shel Rechalim, c'est un bélier de brebis, c'est-à-dire c'est le bélier de Yitzhak. Zaken Manigo Avram. Donc il y a eu une vision, entre parenthèses, est-ce que vous avez vu ça, que à Netivot, tout le monde dit hein, que tout le monde dit qu'à Netivot, dans le matin, le petit matin, le Simchat Torah là-bas en Israël. Le Hamas est venu. Pendant une demi-heure, ils ont tourné dans Netivot et ils sont repartis. Vous avez pas lu ça ou entendu ça? Et ils ont attrapé donc de ces types du Hamas là. Ils ont dit qu'ils ont vu trois chers juifs ils ont eu peur et ils sont partis. Et ils ont montré. Cher, bah, pour eux en arabe, cher, ils disent pas arabe, ils disent cher, c'est un équivalent. Et ils ont montré des photos qu'il y avait Baba Salé, son vieux Baba Salé. Ah, alors, là, avant de venir, mon épouse, elle m'a montré aussi un témoignage de quelqu'un d'Étivote, qu'il y a eu des choses incroyables d'Étivote. Quelqu'un qui témoigne que des trucs ils ont dans tous ces malheurs il y a eu des miracles qu'on ne peut pas comprendre. Toujours en Israël en plein milieu des tueries il y a des gens qui survivent de manière il n'y a aucune explication rationnelle. Alors, en tout cas, ici, on voit que Hanina Ben Dossa, il a dit, bon, c'est sûr, voilà. Mais malgré tout, Rabbi Acha rajoute, mais le fils, il est mort de soif. Rashi, im se vivav, voilà, se vivav, tzadikim adbikim, ceux qui sont collés à Dieu, voilà, nishara meod, lachon chuta sahara, comme le fil d'un cheveu. L'Agmara continue. Rabbi Nechunia, Amar, Me'achar. Rabbi Nechunia dit, il y en a qui disent, c'est Rabbi Hanina dit, El Neratz Besod Kedoshim Rabba, Venora Al Kol Sevivav. Que un Dieu redoutable, dans le secret de ceux qui sont très kadosh, qui est redoutable, pour tous ceux qui sont autour de lui. Rashi, Nora El Kol Sevivav, Matil Emat Mishpatav Alehem, il met l'appréhension de ses jugements sur eux, sur ceux qui sont proches de lui. Ceux qui sont, vous savez, ceux qui disent, ouais, bon, le bon Dieu, ça va, c'est mon copain. D'accord, mais ceux qui sont proches de Dieu, ils ont la pétoche, quoi. Parce que c'est le jugement est d'une finesse. Qui dépasse notre entendement. Alors, regardons maintenant le Maharal. Alors, il rapporte donc l'Agmara in extenso. Je connais Oui. quelqu'un, ça vive. Se vive, ça vive, c'est autour. Oui. Ça vive, c'est autour. Par exemple, une toupie,
Ça dit, ce vivon, ça tourne autour, ça vive. Voilà. Ça vive. Écrit toupie. Une toupie. Il y a un chant, parce qu'on a l'habitude à Hanouka de faire tourner, et ça s'appelle ça vibre. Ça vibre. Ah, ça vibre, c'est autour. Oui. Et ce vivon, ah, c'est le même, d'accord. Okay. c'est la toupie. Alors, regardons le marin. Biourzé. Explication. Achar shayom nihla kleshaot. Biourzé. Achar shayom nihla kleshaot. En Akadosh Baruch Hu maniach atzadik betzara shalosh shaot she'lo yeh murzak betzara. Le jour se partage en heures et Dieu ne laisse pas le juste dans l'oppression 3 heures de suite pour que le juste ne soit pas enfermé dans le malheur. Le Fikar Amar, c'est pourquoi il dit Dafka Beshashtishi Talta, c'est la troisième heure qu'elle est montée. Ve'amra, elle a dit Shenis Damela Zachar Shel Rechalim Vezaken Echalmako, que s'est présenté à elle un bélier avec un vieux monsieur qui conduit. Biurinyanze, explication. À Aïl, au cachet, le bélier y a une dimension dure. Kedirtiv, Aïl. Aïl, ça veut dire fort aussi. Comme dit le verset, Vetele Aretz Lakar, les puissants de la terre. Aïl, c'est un genre puissant. Obemida Tadin Bala Ateshua Metashemin Bara. Donc, c'est-à-dire, le bélier vient, c'est-à-dire, il y a une dimension de la juste, de la dureté de la justice. C'est-à-dire que cette fille a été sauvée. Pas par clémence, mais par la dureté de la justice. C'est la justice qui a imposé qu'elle soit sauvée. C'est ça ce que représente le bélier. Le bélier, parce que ça se dit Aïl, mais Hachon dur. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est très intéressant parce qu'un sauvetage, nous, on a souvent l'impression qu'un sauvetage vient par une clémence. Mais là, cet sauvetage vient par justice absolue. Qui cachère Adam Betsara, bat Shua, Mebidatadin, Shukasha. Car l'homme, quand l'homme est dans le malheur, vient la délivrance par la dimension de justice dure. C'est pas que Dieu a pitié. Si toi, tu es dans si tu es dans une dimension de détresse, de tsara, c'est pas la pitié qui te sauve, c'est la dimension de justice. Mais attention, c'est ce qu'il dit le juif, hein, moi je n'ai pas. Oh, au bout de 3 heures. Au bout de 3 heures. Voilà. C'est ce que j'ai compris de c'est que c'est par le mérite du père. Mérite du père. Voilà, mérite du père. Mérite du père. Et donc, Comment? c'est le jugement porté sur le père, dur, qui se retrouve dans le jugement qui fait que le Haïl vient sauver la vie. Bien sauver la fille. Voilà. Ah non, la fille peut-être n'était-elle pas bat mitzvah. Parce qu'à partir de la bat mitzvah ou bar mitzvah, l'enfant a une autonomie au niveau du jugement. Peut-être c'est un enfant mineur. Peut-être. Viamar Zaken Echan Manigo. Ah. Quelqu'un un vieux qui conduit ce bélier qui a Zaken Malé Rachamim. Parce que le vieux est plein de miséricorde.
Rachamim, Zaken. Donc ici, il y a la, comment dire, la conjonction de deux dimensions. Le bélier. Bon, moi, j'ai pas, je sais pas en quoi un bélier, il y a une dimension dure dans le bélier. Bon, le mot haïl veut dire dur. Mais je sais pas, moi, la dernière fois que j'étais au salon de l'agriculture, j'ai vu des béliers, mais je vois pas où est-ce qu'est-ce qu'il y a de dur dans le bélier. Moi, je dirais un bouc, peut-être. Mais le bélier, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de dur dans le bélier. Vous, toi, tu es strasbourgeois à la campagne, peut-être que tu as plus d'habitude des béliers dans les rues de Strasbourg. Bélier, c'est un 2 qui rentre dedans. Ouais. Bon, elle ne joue pas. Non, mais non, le bélier, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans le caractère du bélier? Parce qu'on dit que c'est réécoutons Bob Dylan, disait que l'homme a donné des noms aux animaux, ce qui est écrit dans la Torah d'ailleurs, tu me diras. Mais il l'a appelé Haïl. Donc on dit que les noms que Adam a donnés correspondent à la particularité de l'animal. Hein, il a vu un éléphant, il l'a appelé éléphant pile. Ça veut dire quoi, pile? Pelé, absolument, c'est ça. C'est-à-dire, oh là là, incroyable. Donc, pile, c'est incroyable, tu vois. Pelé, incroyable. Donc, Haïl, il voit un bélier, il l'appelle Haïl. Donc, qu'est-ce qu'il y a de dur, d'implacable dans un bélier? Je ne sais pas. Oui, nous, les citadins, on est. Dans un enclos, ça va taper. Ah oui. Ça va taper sur, ça tape avec ses cornes partout le Ouais, bélier. c'est juste ça. On est porté vers l'avant. Il tape, il est dur. Ouais, il tape, Il oui. tape. Le bélier, Ouais, ça il tape, tape. ouais, ça c'est vrai, ça j'ai remarqué, c'est vrai. Il tape. D'accord. Donc il frappe, voilà, comme la justice divine frappe, voilà. Comme la justice. Donc là, il y a la connexion entre la Midatadine et la personne qui est Zaken, qui est Malé Rachamim. Là aussi, en quoi quelqu'un, moi je vois les vieux, c'est plutôt, ils sont ronchons, ils ronchonnent. En quoi un vieux, il est Malé Rachamim? Bon, il est. Il Comment? se quand même le bélier. Il doit Ouais. supporter. Bon, il a de l'expérience, il a de l'expérience. Voilà, quand on est jeune, on a des jugements à l'emporte-pièce, après on modère. Voilà. Midat ha-rachamim. Alors, d'où est-ce qu'on voit que le Zaken, c'est Malé Rachamim? Comme dit la Mechilta, chez Nigle Ber Sinaï, que Zaken, Malé Rachamim, comment Sinaï, Dieu, s'est présenté comme quelqu'un d'âgé, plein de pitié. Hatsalomar bevada mibinatadin bala atchoua. Donc ici, ce Tsagadar vient nous dire que c'est par la dimension d'une justice, comme tu as dit, le bélier qui cogne la justice, elle cogne, vient la délivrance par justice. Aval acharimi manigim etadin, mais la clémence conduit la justice. Qui mikoar arachamim shemorem al mishu betzara ba atchoua mibinatadin. Oh là là, ça c'est très puissant. C'est par le Rachamim qui a pitié sur celui qui est dans le malheur que vient la délivrance par Midatadine. Alors, Jonathan, aide-nous. Alors là, il a cassé la baraque, le monsieur. Ouais. Encore une fois. Mais regardez la manière sublime que le Maharal a de lire cette phrase de la Gemara. Nous, on voit comme ça, bon, il y a un bélier conduit par un vieil homme.
Bon, le bélier, c'est le bélier de Yitzhak, le vieil homme, c'est Abraham. Bon, tout va bien, quoi. Et on passe à autre chose, on a fumé notre clope. Alors, lui, il dit que non, ici, il y a l'Amidata Rachamim qui vient sauver, mais elle est conduite par l'Amidata Rachamim. Et que l'Amid, ouais, là, c'est mystérieux, hein. Encore une fois, Rachamim Manigim et Tadin. Donc, la dimension de clémence conduit la justice, car c'est par le fait de la Rachamim qui a pitié sur celui qui est dans le malheur, vient la délivrance, Bemidat Adin. Peut-être il va expliquer dans la suite, parce que là, c'est abscon complet pour moi. Souvent tendance à Oui. oui. En vérité, elle ne se pose pas. C'est-à-dire que parce Rachamim s'applique à celui qui a mis sa vote. Lui donne un mérite. Mais ce mérite, il y a droit parce qu'il sauve. C'est pas des finalement. Oui, c'est comme on dit que on a dit qu'à Yom Kippour, il y a Rachamim Bedin. Hein, on a dit ça la semaine dernière. Ce n'est pas Rachamim seul. Ouais, le Rachamim, ce n'est pas le. Comme si la Midata Rachamim va invoquer la Midata Din pour pouvoir sauver. Ça veut dire que cette personne est en souffrance. Je dois la sauver. Alors, je vais chercher dans les archives, est-ce que cette personne a un mérite qui va faire qu'elle soit sauvée par la justice? Ça la fumée Oui. et difficile pour un coup il va juger d'un mais finalement ça c'est Oui. C'est-à-dire, quelqu'un est Beth Sara, moi je dirais un peu une première approche un peu bébête comme ça, que il y a quelqu'un est Beth Sara. Donc, la Midata Rachamim, c'est de le sauver. Et je ne peux pas le sauver parce qu'il y a une justice. Si cette personne n'a pas de mérite, elle n'a pas de mérite, il n'y a aucune raison de le sauver. Donc, la Midata Rachamim va invoquer la Midata Din pour le sauver. En l'occurrence, c'est le mérite de son père. Peut-être va-t-il expliquer dans la suite. D'ailleurs, regardez la suite de la Gemara. Regardez la suite de la Gemara, la fin, l'avant-dernière ligne et la dernière ligne. Amar Rabbi Hanina, Kol Aomer Akadosh Baruch Hu Vatran ou Yutru Chayav. Toute personne qui dit que Dieu et Vatran, ça veut dire Vatran. Laisse couler, laisse passer les choses, mais en bon français. Oui, indulgent. Ouais. Voilà. Rabbi Hanina dit, toute personne qui dit que Dieu est indulgent, que sa vie soit indulginée.
C'est celui qui dit que celui qui dit que Dieu il laisse passer les fautes, que sa vie laisse passer. Shenema Tsur Tamim Palo, le rocher, son action est parfaite, tous ses chemins sont justice. Rashi, Vatran Lavor al Kol Pisham, que Dieu passe outre les fautes. Voilà, que Dieu passe outre les fautes. D'accord? Yutru Chayav, Yufkeru Chayav, Vegufo, Shemore, El Abriot, que sa vie et son corps soient à l'abandon, car il enseigne aux personnes de fauter. Comment? Oui, mais toujours avec justice. Il enverra le pécha, ça veut dire qu'il te donne la possibilité de faire tes choix, mais si tu t'amendes. Si tu t'amendes. Donc là c'est le grand contentieux, excusez-moi l'expression, avec le christianisme. Que voilà, entre parenthèses. Hein. On y passe. Ouais, bon. Il faut croire, tu vois. Non, non, mais que l'homme est absous de ses fautes. L'absolution de ses fautes. Il paraît Comment? par la souffrance. Bon, on ne va pas faire un cours de Ouais. catéchisme, mais c'est pas le format. Quand j'étais ado au lycée où j'étais, je ne connaissais rien. J'allais un peu à droite, à gauche pour voir que j'allais au cours de catéchisme pour écouter. J'étais le seul qui écoutait d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est? Alors, bon, tout ça pour dire que, donc ici, vous voyez, la Gemara, elle met ça en relief. Que ici, celui qui dit que Dieu passe outre les fautes des hommes, il fout sa vie en catastrophe à lui. Que sa vie soit abandonnée. Ça veut dire que ce monde est abandonné, il n'y a aucune justice, voilà. Donc là, il y a la clémence, mais la clémence invoque la justice. Et quand est la délivrance vient par justice. Ben c'est ce que le Maharal nous enseigne ici. C'est Hatzoum. Et d'où est-ce qu'il voit ça? Avec le bélier et le vieil homme. Ah, il a des lunettes, le mec. Moi, j'en ai, mais on n'a pas les mêmes. On continue. Ça va, les zoomers, là, ils sont bien silencieux, là, les baby zoom. Ouais, ça va. Ouais, ça va, mais je sais pas, dérangez-nous, dites quelque chose. Dites, je suis pas d'accord, même sans argumenter. OK. Ma femme, des fois, elle écoute tes trucs et dit, mais ils réagissent pas, tes élèves. Dis-leur, je sais pas, à Hitler ou je sais pas, fais quelque chose qui réagisse un peu. Je sais pas, moi j'écris des textes, personne réagit à mes textes. Fois, je vais mettre en troisième page un truc comme ça, Goebbels avait raison, pour voir au moins que quelqu'un réagisse. Ils réagissent pas. Quoi? Ils écoutent comme ça, ils ont dit ouais, c'était bien. Insupportable. Alors, Vechen Adam, Vechen derer Adam, Kacher Uroe Echad Betsara. Alors, Bekar Adam, derer Adam, Kacher Uroe Echad Betsara, Arachami Meorim Oto Lifol, Bechazaka Meod. De même, l'habitude de l'homme, quand il voit quelqu'un dans le malheur, la pitié éveille d'agir avec une force très grande.
C'est ça ce qu'il dit. Un mâle de brebis s'est présenté à moi avec une personne âgée qui le va mar afal. Voilà. Donc on dirait là, c'est encore une autre nuance. Tu vois, par exemple, prenons Zorro. Zorro, il voit la jeune première qui va être, comment dire, kidnappée par des grands méchants. Or, il a beaucoup pitié de la jeune première. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et il va se battre pour la délivrer. Mais quand il se bat pour la délivrer, c'est pas Midatara Khamim, c'est Midatadin. Au départ, c'est Midatara Khamim. Mais l'action, elle est Mémidatadine. Oui, ça, j'ai dit que c'est non, Bechros Kameod. Avec une grande force. C'est un autre aspect, ça. Bon, c'est un peu difficile. Continuons. Vermar, vous. Là, moi, j'avais l'impression que vers quoi là où les marins nous emmènent, c'est plus ni data ni data par famille, mais c'est l'action de l'homme. Il ouvre un, moi j'ai plutôt compris qu'il ouvrait une autre dimension qui est plus celle de laquelle je m'en fous, mais qui est celle de Derech Adam. Oui. C'est là où on se tourne non plus vers les moyens d'action. Laquelle on va en trouver dans ce monde, il est à l'infamie, mais ce que fait l'homme, c'est-à-dire d'agir avec force quand il Oui. voit l'un des siens dans le mur, Voilà. Dans une salle. Oui, oui. Non? Mais je. Oui, maintenant, je développerai un peu comme ça, parce que Midat Adin et Midat Arachamim sont des mots un peu abstraits hein, pour nous. Hein, c'est un peu abstrait. Maintenant, quand on dit que Esaü représente le Yetzer Hara, c'est beaucoup la Midat Adin. D'ailleurs, on voit que Esav, c'est le fils chouchou de Yitzhak, et Yitzhak, c'est Midat Adin. Donc, c'est Midat Adin qui est pondéré chez Yitzhak, qui devient exagéré chez Esaü. Mais souvent, l'action, c'est-à-dire, il y a la Midata Rachamim, mais quand tu agis, tu mets la dimension pulsionnelle qui est chez l'humain, c'est Midat Hadin. L'existence, c'est Midat Hadin. Quand j'existe, quand je m'engage, vous voyez, par exemple, là, il y a la guerre. La guerre, c'est dur, voilà, les mots qui viennent. C'est dur, la guerre. C'est dur, évidemment, c'est dur, parce qu'il y a des morts. C'est dur parce qu'il y a des déflagrations. C'est dur parce qu'il y a des destructions. Mais c'est dur parce que ça s'engage. Regardez les difficultés à prendre position. Quand tu déclenches la guerre, on l'a déjà vu, quand on avait dit, quand la Midat Hadin est lancée, elle ne fait plus de distinction entre le tzadik et le rachat. On avait vu ça, d'ailleurs, ça t'avait impressionné. Alors, mais parce qu'il y a l'existence, si tu veux, souvent, tu vois, tu as dit il y a 2 semaines que les pays occidentaux, ils vont laisser 1 semaine à Israël pour se débrouiller et après, ils vont lui rentrer dans le chou. Ben, on le constate. Parce qu'à un moment, les goyim, ils aiment bien quand les juifs souffrent. Ils ont beaucoup de compassion pour les juifs qui souffrent. Mais les juifs qui existent, ils supportent pas. Supportent pas. Un juif qui s'affirme, parce que s'affirmer, c'est pour le bien et pour le mal quand tu t'affirmes.
Il y a quelque chose d'immoral dans l'affirmation. Quand, par exemple, dans les pays occidentaux, ils détestent que les pères ils donnent des fessées à leurs gosses. Mais parce que quand tu donnes une fessée, tu rigoles pas. Si tu donnes une fessée, tu t'affirmes. On déteste. Oui, d'accord, mais on déteste l'affirmation de soi. Ils disent, ouais, t'es macho, t'es machin. Je suis pas macho, j'existe. C'est pas macho. Alors quoi, qu'est-ce que tu veux? Que j'existe pas? Oui, existe pas. Exister, c'est Midatadine. Comme ça, c'est un autre aspect, Midatadine. C'est l'existence. D'ailleurs, les commentateurs disizque dans Bereshit, tu vois que Elohim. Tu vois, Elohim, 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 Elohim. Après, tu vois, Yudke Bavke. Yudke Bavke, c'est Midata Chachamim. Mais le monde existe, Bemidatadine. L'existence est Midatadine. Donc là, le sauvetage, il est Bemidatadine. C'est un autre aspect du Midatadine. Zéusha, voilà. Véamar, il dit, Vafal Piken, malgré tout, met Beno Betsama. Ah, c'est horrible, ça. Son fils est mort de soif. Ah, comme dit l'autre, il n'y a pas de morale. Véachal davar, shinisterbo oto tsadi, kishalbo zaro kedelaïl. Et pourquoi l'on ne dit pas que la chose pour laquelle ce tsadik a souffert, sa descendance, est-ce qu'elle va trébucher Kedelaïl? Kidafka, l'inyan mirchol amrinanka, c'est seulement par rapport à est tombé qu'on peut dire. Kenefilat abor mirchol ou. Car tomber dans le puits, c'est un incident, c'est une embûche. Là, on ne peut pas dire que si ce tzaddik, sa descendance va trébucher dans ce sujet. Avalma, shemem beno betsama enzem mirchol. Mais mourir de soif, ce n'est pas une embûche. C'est autre chose, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec l'eau. Mais ce n'est pas un mirchol. Oh là là là. C'est un processus plus normal, plus naturel. Enfin. Il dit, alors, Tosfot pirchou sham binyan acher. Alors, il dit, Tosfot, regardons Tosfot. Il dit, Tosfot donne une autre explication, mais je préfère la mienne, il dit. Alors, Tosfot, il est là. Hein? Tu vois? Les zoomers, vous voyez Tosfot? Davar, chez Nitztaerbo, la chose sur laquelle a souffert ce tzaddik, est-ce que sa descendance va trébucher? Vim Thomas, et si tu me dis, Aketi Manale Ahmed Beno Betsama, mais d'où est-ce que Rabbi Hanina Bendossa, comment il peut dire ça, puisque le fils est mort de soif? Donc, c'est contradictoire. Vieshlomar, Les mikol makom be oto davar atzmo lo aya raouy les kachel. Be Yerushalmi malach be dmut Rabbi Hanina nizdamen la. Je ne vois pas la différence entre ce que dit Tosfot et ce qu'il dit le Maharal. C'est-à-dire que lui creuse des puits. C'est pas possible que sa fille meure en tombant dans un puits par un coup du sort comme ça, qu'elle tombe dans le puits, elle meurt. Quand dans le puits, lui, il s'est fatigué
investi pour donner à boire dans les puits, dans le puits. Maintenant, mourir de soif, ce n'est pas un mirechol, ce n'est pas une embûche, ce n'est pas que tu as trébuché, tu tombes, tu as trébuché, tu tombes dans le puits. Elle a trébuché, elle est tombée dans le puits. Pablo. Elle a glissé, elle est tombée dans le puits. Là, ça n'a rien à voir, il n'y a pas eu d'embûche. Ah, il est mort de soif. Ah, mais c'est bizarre, puisque le papa, il a donné à boire aux gens. Et là, c'est pas trébuché. C'est ce qu'il dit le Maharal. Un accident. Ouais. Hein? Ok. Un peu difficile. Bon, continuons. Voilà. Veka Amar, je suis dans le Maharal. Le cinquième ligne de la colonne de gauche. Veka Amar, donc nos maîtres disent, qui a Kadosh Baruch Hu Medagdek im Sovivav, que Dieu est rigoureux avec ceux qui sont proches de lui, avec un fil de cheveux. Pirouche. Qui mishpat Hashem. Alors c'est ça ce qu'il veut déduire. Vous voyez, c'est pourquoi il rapporte ce passage ici. Pour montrer la finesse du jugement de Dieu. Que le jugement de Dieu, c'est que Hashem qui sait. C'est ce qu'on disait la semaine dernière avec, il y avait notre ami David Azoulay ici. Que l'humain, ou même les anges, n'ont pas la capacité d'estimer le jugement de Dieu. Voilà. Pirouche, qui mishpat Hashem il barar big digdug gadol. Que le jugement de Dieu est avec une précision très grande. Le fi omek rochmato, selon la profondeur de sa science. Le fikam dagdek im sevivav, shem krovim el hashem il barar, shem mishpato begdigdud gadol, kerot asara. C'est pour ça il est rigoureux avec ceux qui sont proches de lui, avec une justice très grande, comme le fil d'un cheveu. Mais alors, tu pourrais dire avec tout le monde, pourquoi ceux qui sont proches de Dieu? Sinon, le monde ne tiendrait pas. C'est ça. Il est trop motivé. D'ailleurs, ceux qui sont de grand mérite peuvent tenir. D'accord. C'est un peu l'idée qu'il a. Ouais, qu'au début, il a créé Midat, Ala Bedato, le créé avec Midat Adin, et il a associé Midat Rachamim. Tzadikim, ils sont dans la dimension du Midat Adin originel. Ouais, d'accord. Kevar Amarnu. Ah oui. Rabbi Hanina, lama davarze min. Rabbi Hanina, il apprend d'un autre verset. Min venora al kol sevivav. Que Dieu est redoutable pour ceux autour de lui. Kiwit barar mitzad mishpato. Shumedag bedigdu gadol. Kar unora al kol sevivav. Kim krovim la shemit barar. Il fait peur à ceux qui sont proches de lui. Ceux qui sont autour de lui. Que varamarnu ki mishpato le kar ou bedigdu gadol. Pourquoi sa justice est avec une précision très grande? Sheu le fi omek chochmato. Mikol makom mize tilmod ki mishpat gamur ou la shemit barar davka. Vedavar zenit baer besefer beragola barichut. Nous avons expliqué la dimension de grande justice de Dieu dans le livre Beragola. Le Fikar, Kemoshe Udbarar, Evi à Mishpat, à l'Avram, Kerut, à Sahara, le Fiomek Rochbato. De la même manière, on avait vu au début du livre que pourquoi Abraham
il a eu ce décret que sa descendance sera opprimée et étrangère dans un autre pays. Il y avait trois décrets, hein. Il y avait trois décrets parce qu'il y avait trois petites imperfections dans Abraham. Le Maharal avait expliqué plus haut qu'il y a une différence entre le clan d'Israël et Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont des individus. Or, l'individu est partiel. Et tout ce qui est partiel a encore une dimension matérielle. Donc, il y avait une dimension infinitésimale de faute dans Abraham, dans Yitzhak et dans Yaakov. Et ces dimensions de faute, pour créer le mal d'Israël, il fallait quelque part raffiner cette faute. C'est pour ça qu'il y a eu les décrets qu'il serait étranger, qu'il ferait souffrir et qu'il serait esclave. Voilà. Il y a esclavage, les souffrances et étrangers. Donc ces trois décrets, parce que c'était sur une finesse. Donc le jugement lui-même va être dans la finesse. Car, ah oui, parce que ce qu'il veut prouver, c'est que la justice, dans sa finesse, s'exprime. Mais peut-être quelqu'un qui n'a pas cette dimension de proximité avec Dieu, donc le jugement lui-même n'est pas si fin, parce que cette personne n'est pas dans cette. Il n'y a pas de finesse, puisque la faute, elle est grave aussi. Elle est grosse. Elle est grossière. Donc elle est fine, parce que l'imperfection est fine aussi. Je crois que c'est ça ce qu'il veut dire. Il dit parce que, il dit, le fikar kemoshen bara et via mishpat al avra kechut asahara. La justice sur Avram, parce que c'était infinitésimal ses fautes, comme on les a vues plus haut, selon la profondeur de sa science. Car beatzmo aya moshia lahem utbara dafka, le fi omek rochmato, selon sa profondeur de sa science, chen écrasé gerut. À Beretz Canaan, même qu'ils étaient dans la terre de Canaan, ils étaient étrangers. Zehu shekatu vayosha Hashem et Israël. Vehu pirush nachon al pi dikduk chazal, c'est une explication bonne selon les détails de nos maîtres. Alors. Est-ce que ça veut dire que tout on est projeté pour les responsables? Oui, ça. Tout est sensible à la finesse. Voilà. Y a deux aspects. Il y a l'aspect que tu as dit, que celui qui n'est pas proche d'Hachem, quelque part, il n'est pas dans cette dimension d'existence. Il est, comment dire, comme le Rambam dit, quelque part, c'est un figurant. Donc, la justice s'applique pas de manière précise par rapport à lui, puisque il n'existe pas par lui-même. Donc, y a pas, la justice, c'est l'existence, comme on l'a dit. Donc, il n'existe pas vraiment. Il est un fœtus de paille, quoi. Il suit le mouvement. Mais donc, quelque part, il n'y a pas vraiment la justice par rapport à lui. Mais Midat HaRachamim. Un autre aspect aussi, c'est un aspect un peu contradictoire, c'est que la personne qui n'est pas proche d'Hachem, elle faute. La faute, elle est plus grossière. Donc, comme la faute est grossière, il n'y aura pas de finesse de jugement, puisque la faute, elle est grossière. Mais Avraham, dont la faute n'était même pas vraiment une faute, c'était une imperfection plutôt qu'une faute, donc Dieu va lui demander des comptes par rapport à cette imperfection, mais dans une finesse. C'est un peu autre chose. Une faute grossière. Comment? Une faute grossière. C'est quoi une faute grossière? Ben, si tu veux, Abraham, il a dit des mots devant Dieu qui étaient un peu. Ça a été analysé au début du livre. Prenons un exemple. On sait qu'Abraham, il était prosélyte, il aidait les gens à se rapprocher d'Akadosh Baroukh. Mais lorsque il y a eu la guerre des rois et que Lot,
qui habitait à Sodome a été pris par Kedar Laomer, par les grands rois, tous les gens de Sodome ont été faits prisonniers. Alors Abraham, lui, il a fait la guerre contre les rois, contre ces quatre grandes puissances, et de manière miraculeuse, il a sauvé les prisonniers, dont le roi de Sodome et tous les gens de Sodome, il les a sauvés. Normalement, à la guerre, ce que tu sauves, tu gagnes la guerre, ce que tu gagnes, c'est tes esclaves. Le roi, c'était comme ça autrefois. C'était des guerres aussi économiques. Tu gagnais des esclaves par la guerre. Voilà. Par exemple, en Afrique, la traite des Noirs, comment ça se faisait? Il y avait des royaumes africains qui se faisaient la guerre les uns contre les autres. Et l'autre tribu qu'ils avaient gagnée, ils les vendaient en esclaves. Ça se marchait comme ça, si je ne m'abuse. Donc là, il avait gagné toute la population de Sodome. Le roi de Sodome dit, Abraham, s'il te plaît, prends les richesses que tu as gagnées, mais rends-moi mes sujets. Rends-moi mes sujets que tu as gagnés à la guerre. Est-ce que tu peux me les rendre? Abraham, il a dit, OK. Et même la richesse, je te les laisse. Que tu dises pas que tu as enrichi Abraham. Les sages disent, il a fauté Abraham. Pourquoi? Parce que ces gens de Sodome devaient être ses esclaves. Et comme c'était ses esclaves, il aurait pu les ramener, les sortir de l'idolâtrie en faisant ses esclaves. Il a refusé que ces gens reconnaissent Dieu. Alors, oui, mais Abraham, ce qu'il voulait, c'est que les gens ils reconnaissent Dieu par une démarche personnelle, pas parce qu'on les force. Eh bien, il a fauté. Parce que les gens de Sodome, comme c'était des gens cruels, la seule manière de les sortir de l'idolâtrie, c'est de les forcer. Et là, il a loupé le coche. Et c'est pour ça que sa descendance sera esclave. C'est terrible. Ah, où est la faute? C'est une finesse. Justement, une finesse dans la démarche d'Abraham qui ramène les gens à la reconnaissance de Dieu. La petite erreur. Voilà. Il y a plus de responsabilité. Oui, mais on peut dire ce que tu dis, mais oui, mais si tu veux, même la faute, on n'arrive pas bien à la voir. Il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, un pédophile ou un mec qui viole la femme du voisin, ça c'est une grosse faute, tu vois. Là, tout le monde va dire, tiens, c'est pas bien. Mais Abraham, on n'arrive même pas à voir qu'est-ce qu'il a fait de pas bien. Dieu, il a dit, j'ai vu que t'es pas bien ce que tu as fait, mais nous, on n'arrive pas à le voir. Alors justement, sa punition, elle va être fine. Tu vois? Il y a des fautes, tout le monde peut dire c'est une faute, tu vois. Sauf Mélenchon. Il dit non, non, c'est des combattants, c'est pas des terroristes. D'accord, ok. C'est. Pas compris comment c'est la vitesse du plan s'applique officiellement des fois. Il n'a pas expliqué. Ça dépend. Non, il a pas Et expliqué du tout. pourtant, ce qu'on comprend, c'est que ce serait bien de pouvoir creuser. Enfin, parce que on comprend la dimension. Du mouvement qui s'exprime pour sauver la jeunesse. Oui. On comprend. Prend la correspondance entre et enfin, ça, et pour le fils qui est mort de toi, C'est Rabbi Chia qui dit, Merci. Rabbi Chia, il dit, sache Pardon. que son fils est mort.
fallait en fait ne pas, comme si on faisait une erreur en tirant Une règle. une règle de la jeune fille. Il n'y a pas, en fait, pour nous, la finesse, c'est aussi qu'il n'y a pas d'automaticité. Y a pas, c'est, Il n'y a pas une voilà, automaticité. t'as compris, voilà. T'as pas compris la justice, Exactement. voilà. Voilà, t'as compris, voilà. T'as cru comprendre. Et d'ailleurs, Rabbi Hanina Mendoza, il a compris. C'est comme si on faisait, Tu peux pas comprendre. voilà la Ouais. justice, mais il n'y a pas la justice. Ouais. Non, tu peux pas la comprendre. Et tu ne veux pas la comprendre. Tu peux pas la Et comprendre. là, C'est ça, c'est Rabbi Chia. C'est Rabbi Chia. Il dit, non, tu peux pas la comprendre. laisse tomber. Tu crois que tu as compris. Ouais, Il y a un éclair de compréhension. Mais non, ne et la. tu veux pas. Et Ah, laisse non, tomber. tu peux pas la comprendre. Veux pas la comprendre. Il y a des finesses que nous, on ne peut pas comprendre. Ça, Non, je reprends ce que tu dis. Au niveau de la structure du texte, tu as Rabbi Hanina ben Dossa, Salaberaita. Voilà. Ça, c'est. Voilà. Rabbi Chia, c'est. Rabbi Chia, c'est la première génération des Amoraïm. C'est post, c'est après. Ce n'est pas un interne dans cet enseignement. Lui, il rajoute. et Ce n'est dans pas le Rabbi Chia. Rabbi Acha, pardon. Rabbi Acha. Rabbi Acha, Afalpiken. T'as vu? Rabbi Acha. Afalpiken Benou Betsama. Je ne crois pas que Rabbi Acha, c'est un Tana. C'est un Amora. Je pense que c'est la première génération des Amoraïm. Voir un Savoraïm, des Savoraïm. C'est juste après la rédaction du Talmud et que des fois, il y a des phrases de Savoraïm internes qui ont été intégrées dans le Talmud. Non, ça peut se discuter. Mais en tout cas, lui, il dit. Ok, t'as compris, mon ami? Non, t'as pas compris. Comme ça, j'entends. Ils n'expliquent pas pourquoi, justement. Ils n'expliquent pas. Donc, c'est ça, ta remarque. C'est ta remarque. Explique-nous. Ils n'expliquent Justement, pas. non, il est... Non, t'as pas compris. pas compris parce qu'on veut te dire ça. T'as pas compris. T'as pas compris. C'est bien. C'est parce que bah, là, bah, pas. Il relève pas ça. Non, il dit que c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose de très fin, une petite différence qu'on a du mal à définir. C'est qu'il y a le birchol. Et mettre Betsama, ce n'est pas le même truc. L'un, elle a glissé dedans. Ce n'est pas possible qu'elle glisse dedans. Mais mourir de soif, c'est autre chose. Il n'a pas glissé. Il s'est retrouvé dans le désert. Il avait pas d'eau. Il faisait trop chaud. Il a eu une insolation. Il n'a pas eu soif. Il a eu trop soif. C'est autre chose. C'est un autre fonctionnement. Voilà. Ok. Regardez, on s'arrête là-dessus. Hein? Bezrat Hashem, suite au prochain numéro. Voilà. Donc là, maintenant, il est encore dans la traversée de la mer Rouge. Hein? C'est énorme, la traversée de la mer Rouge dans le Vorot Hashem. On a vu énormément de choses et il est encore dans la traversée de la mer. Ok, c'est bon? Aïe, 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 aïe.